Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur Dirt Rally 2.0. On va entamer un nouveau championnat Rallycross cette fois-ci avec la Renault Mégane. Comme quoi les miracles, ça existe. Non, pour être honnête, clairement la 208, j'avais beaucoup de peine. Pas mal d'entre vous m'avaient recommandé la Renault Mégane. Et comme il restait pas mal d'épreuves devant nous, on en avait entamé seulement deux. Avec la 208, mieux vaut prendre tout de suite le devant et peut-être commencer avec une voiture qui nous permettrait d'avoir un meilleur feeling. Alors par contre, j'avais intégré déjà un setup, puisque la Mégane, je l'avais. La Mégane là, pardon, je l'avais déjà testé il y a quelques temps. Et j'avais récupéré un setup que je vais m'empresser d'aller charger. Voilà, c'est celui-ci. Et on va donc pouvoir se lancer. Alors premier terrain, vous le savez, c'est le terrain d'Espagne, que je vous avais déjà présenté. J'avais fini d'ailleurs premier avec la 208. Et là, on est avec la Mégane, ils mettent à l'extérieur, les salauds. Sur le premier virage à gauche. C'est à toi de choisir l'approche que tu vas adopter. Ok, on se recoiffe, on est paré. Et donc le tout en réalité virtuelle, ça a l'air de capturer. Bon, normalement, ce sera plus fluide que la dernière session. Comme je l'avais déjà expliqué. Bon, départ plutôt correct. Fais-moi le camp, toi. Moi, j'ai du mal à la garder en freinage. Tu sais, parce que la leurre, elle est hyper équilibrée. Elle penche bien. Moi j'arrive toujours en mode catastrophe. Mais t'es pas sérieux, sale chien, va. On va faire en sorte de l'esquiver. Lui il percute au calme. Bah ouais, mais évidemment, si j'essaie de m'en éloigner et qu'il y a un schlag qui met en PLS. Ah, je regardais le rapport que j'avais engagé. Non, mais au pire, viens en cinquième ici. Pas me lâcher lui hein. Plonge. Putain, mais l'IA elle est à 70 quoi. Je pue tellement la merde. Sur du Assetto Race Room, je te mets des stats à 100-110%. Mais là mon gars, c'est vraiment pas du tout mon terrain hein. Allez, fais-moi le camp. Oh punaise, mon gars, j'ai eu chaud. Bon, let's go Q2. Allez, let's go pour les Q2. On a fini premier, donc normalement on commence à l'intérieur. Putain, mais c'était tendu, mon gars. Deuxième, s'il vous plaît. 70%, je suis en sueur. J'ai oublié de tirer le frein à main.
Putain, mais j'arrive pas à la mettre en travers tout le long, c'est ouf. Non mais, prise de virage en 3 fois sans frais mon gars. Le mec derrière me lâche up hein. Pourquoi elle se penche pas? C'est Sébastien Loeb. Mais putain, c'est pas vrai. C'est dingue. Ah, je pensais que c'était le dernier tour. Ouais, c'est vraiment le virage de gauche qui arrive là. Allez, let's go Q3. On commence toujours à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils vont me faire encore comme dinguerie? Je vais pas oublier de tirer le frein à main. Je m'envole mais je m'arrête plus. Je suis en train de prendre un virage comme si je me promenais en fait. Ce frein à main, je sais pas comment ça fonctionne. Un coup c'est progressif, un autre moment, mais t'as l'impression que c'est un blocage net quoi. Là, je le tire de la même manière que tout à l'heure, mais là c'est fluide.
ce dernier tour là était quasi parfait. Mais c'est pas le meilleur temps que j'ai fait. Bon, nice. C'est un peu chaotique, mais ça a fait le taf. Let's go pour la Q4. Toujours à l'intérieur. On va essayer de refaire la même. Putain, je suis resté vraiment à l'intérieur. J'ai rasé. Putain, mais c'est pas vrai. J'ai pris un bête de départ. Ça s'est gâté juste après. What? J'arrive beaucoup trop vite, hein. Allez, tourne. Alors lui, sa porte, elle est en PLS, mon gars. Fous-moi le camp, sale chien, hein. Eux, tu peux pas les déséquilibrer, par contre, hein. Tu peux les effleurer, les cogner. Ah, ils sont collés à leur rail. Et quand ils te collent, c'est comme la peste, hein. Oh putain, ça va sur l'autre derrière. Je ne sais guère. Bon, bah écoutez, on a pris pas mal d'avance. Normalement, on est qualifié pour les demi-finales. Bon, let's go pour les demi-finales. Cette fois-ci, 6 tours et on est 6. Et on est toujours à l'intérieur. Le virage en deux fois, mon gars. Moi aussi j'ai du mal, mon gars.
Putain, mais j'y arrive comme une balle aussi. Je t'ai dit, le rallycross, c'est vraiment pas du tout mon truc. Hein. C'est tellement brouillon ce que je fais. J'ai failli, bah en fait je me suis planté sur le suivant. J'allais dire j'ai failli me planter ici. Oh putain, j'ai failli me prendre le mur là. Ouais, c'est un chier ça. Ah, fous-moi le camp toi. T'es pas sérieux. C'est de bonne guerre. J'ai vraiment fait de la merde. Chipper sa place. Oh putain, j'ai vraiment fait de la merde sur le dernier tour. L'avant-dernier qui m'a coûté la première place. Bon, on va réparer ça et on va se lancer cette finale. Putain, j'espère la gagner avant qu'il m'arrive encore une galère. En fait, tous mes tours ne sont jamais les mêmes. C'est pour ça qu'en fait, c'est le hasard quoi. C'est... Soit j'ai eu un coup de chance, soit... En fait, j'ai presque l'impression que je maîtrise pas la caisse, quoi. Rester concentré. Putain, j'ai failli encore me prendre. Thank you.
Alors, yes, mon gars. Les deux derrière moi. On n'a toujours pas pris leur joker. Je fais des fois des dingueries. Elle l'a toujours pas pris, le mec. Bon, c'est pas la fin. Tu connais le karma avec moi. J'ai essayé de le prendre sans le frein à main au final, c'est pas passé. C'est vraiment une catastrophe. En fait, j'ai toujours peur qu'elle pivote sur elle-même sans que je lui demande quoi que ce soit. Ah, mon gars. Ouais, à une course, je crois, où on a fini deuxième. Elle a l'air excitée, le monsieur. Nice. Bon, l'IA est à 70%, je vais pas vous dire que c'est le feu. Mais, au moins, on aura fait premier sur cette première épreuve que je vous partage avec la Renault Mégane. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que j'arriverai encore un peu mieux à la gérer sur les prochaines épreuves. Et en prenant en compte vos recommandations. Donc j'espère que ça portera ses fruits sur les suivantes. Donc n'hésitez pas à laisser un avis si vous avez des conseils à me donner. Moi c'est surtout le travers que j'ai du mal à garder. Genre elle est vraiment en équilibre et en freinage appuyé. Freinage en appui. Pour la garder en équilibre mais garder la trajectoire à l'intérieur, j'ai souvent tendance à utiliser le frein à main. Et c'est souvent tendance à un coup de raquette que je me prends. Un coup ça passe pas. Bref, vous le savez, le rallycross c'est vraiment pas du tout ma discipline de confort. Donc pour ceux qui ont des choses à me recommander, n'hésitez pas. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao tout le monde.